Bonsoir à tous. Vous allez bien? J'espère. Moi, je suis en pleine forme. Je me réjouis de passer ce moment avec vous. Hein, une bonne grosse demi-heure de culture, de connaissances, de bonne humeur, de sourire, de rire même parfois. Mais avec qui ce soir? Je vous les présente, nos candidats. On va jouer avec Patrick de la Neuville-Roi. C'est dans l'Oise. Amélie est avec nous de Bagneux. Dans les Hauts-de-Seine, voici Maxime, parisien. Et Christine de Strasbourg. Ah, quand j'étais petit en Bretagne, quand on disait « parisien », c'était un peu hein, « parisien ». Puis maintenant, je suis parisien, donc je dis plus rien. Comment ça va? Bien, très bien, merci. Bienvenue les petits nouveaux, Maxime et Patrick. Première fois. Oui. Mais c'est super, ça. Je suis très, très content. Merci d'être avec nous. Comment va Christine, ma championne? Je vais très bien, merci Samuel. Ça se passe bien, dites donc. Oui. C'est la troisième fois, la troisième partie, Christine. Oui. Deux victoires déjà, félicitations. Merci beaucoup. Faisons connaissance un petit peu. Si on parlait d'art, Amélie. Parlons-en. Alors, oui. je suis embêté, mais on trouvera un autre moment, parce que je trouve ce que vous faites professionnellement passionnant, hein, dans la validation des acquis d'expérience. On en parlera plus tard, j'espère, parce que je trouve ça vraiment génial. Mais vous avez une passion aussi qui est l'art, dessin, peinture. Illustration. Illustration. Oui. Et parfois, vous mariez. Je mélange tout. Ah, c'est ça qui est bien. Et comme Amélie est sympa, elle nous a amené des choses. Regardez. Qu'est-ce que c'est ça, Amélie? C'est une aquarelle que j'ai découpée. Et j'ai collé du papier noir et rehaussé avec du crayon blanc. Papier noir qu'on voit au premier oui. plan, là, c'est ça? C'est ça. Là, on est dans le mélange, alors, dans le mariage. Entre. C'est magnifique. En fait, c'est des bandes d'aquarelle sur lesquelles j'ai collé du papier. Ah, je comprends. Je crois même qu'on a une deuxième image. Ouh. Alors là? Et là, il y a un fond à l'aquarelle et du vernis avec de la peinture diluée dans le vernis. C'est étonnant. Comment vous avez été amenée à marier comme ça les choses, Amélie? C'est venu naturellement? C'était une envie qui est comme ça? Au départ, je teste, je patouille un peu. Oui. Et puis après, quand le résultat me plaît, je me dis à reprendre. Bah, vous patouillez bien, je Amélie, patouille. Je trouve. Vous avez exposé déjà? Je suis sûr que oui. Oui. Oui, hein. Je ne suis pas surpris. Et alors, vous avez un rêve, qui est un très beau rêve, qui est de publier une histoire pour enfants. Oui. Texte et illustration. C'est ça. C'est en cours, c'est un rêve qui est en... C'est un rêve. Oui, d'accord. C'est un rêve. Mais qui n'a pas commencé encore. Qui n'a pas commencé, qui... Un jour, j'y arriverai. Et le plus difficile pour vous, ce serait le côté... De faire accepter les illustrations avec les textes. D'accord, ok. Parce que oui, vous tenez à cet ensemble, quoi. J'aimerais bien qu'un jour, on accepte les deux ensemble. Ouais. Parce que c'est pas ce qui se fait traditionnellement, c'est non, ça que vous me dites. Normalement, on fait appel à des illustrateurs. Mais oui, je vois. Moi, quand j'ouvre un livre pour enfants, effectivement, dans les crédits au début, souvent, il y a l'auteur et puis il y a l'illustrateur. Il y a l'illustrateur, oui. Et vous aimeriez être les deux. C'est ça. C'est un joli rêve, Amélie. Merci. Et puis, bonne chance pour ce soir aussi. Patrick, ça, c'est une jolie passion. moi, j'adore. Alors, moi, je la vis pas comme vous, parce que j'en ai pas. Mais je comprends très bien une passion pour les deux chevaux. Ah oui. Alors, puis on peut en parler librement, parce que les deux chevaux, ils se vendent plus. C'est donc vrai. Là, on ne fait pas de la pub à la deux chevaux. Ah non, non. Par contre, on va faire de la pub à votre passion, parce que c'est une vraie passion. Ça a été votre première voiture, Patrick? Oui, c'était ma première voiture. Je m'en servais tous les jours. Ouais. J'allais travailler avec, j'allais en vacances avec, je faisais tout. C'était un modèle en particulier, parce qu'il y avait des... Oui, c'était un modèle en particulier. C'était une... À l'époque, c'était je l'avais eu d'occasion, c'était une deux chevaux spéciale. Oui, mais je me souviens bien. Voilà. Et puis, je l'ai gardé quelques années, puis après, j'en ai eu d'autres. Oui. Vous voulez dire qu'il n'y a jamais eu de rupture? Il n'y a jamais eu de rupture, il y a eu en parallèle d'autres voitures, évidemment, parce qu'il fallait bien... Mais il y a eu un fil de chevaux tout le temps. Ah oui, tout le temps, oui, bien sûr. Pourquoi la deux chevaux? Qu'est-ce qui vous touche dans ce véhicule qui est à part qui est... Sa silhouette, elle a une histoire fabuleuse aussi, on pourrait en parler pendant des heures. Oui. Depuis sa création jusqu'à ce qui a été accompli avec la deux chevaux, les tours du monde, etc. Ouais, c'est vrai. Et puis, voilà, puis conduire ça, c'est magique, quoi. C'est une voiture révolutionnaire hein, oui, c'est ça. Pour l'époque. Hein. Puis c'est une voiture qui a permis à beaucoup de gens d'avoir accès à l'automobile. Oui, une forme de démocratisation de la voiture et du voyage. Et je vois que vous faites partie d'un club de passionnés. Oui. Et alors qu'est-ce que vous faites entre passionnés de chevaux? Des voyages peut-être? On fait des voyages, on fait des rencontres, on compare nos voitures, ce qu'on a fait dessus. Ouais. Enfin, puis il y a des rencontres nationales et internationales. Ça nous mène assez loin en Europe des fois.
Est-ce qu'il y a une couleur idéale? Certaines voitures italiennes, elles sont rouges. Est-ce qu'il y a une livrée particulière pour la deux chevaux ou non? La deux chevaux de base, elle était grise. Elle a été grise pendant 10 ans. Oui, oui. Il n'y avait pas d'autres couleurs. Pendant 10 ans, c'était le seul choix. D'accord. C'était du gris. Ok, c'est drôle. Et puis après, ça s'est démocratisé. Ouais. Il y a eu des couleurs sympathiques. Moi, j'ai une Charleston. C'est celle qui est un peu Bordeaux? Oui. Ah oui, un peu Bordeaux et noir. Voilà, c'est ça. Très chic. Patrick, ça c'est un rêve que moi je n'ai pas réalisé, mais j'ai des souvenirs de voyage en deux chevaux, des super souvenirs. Ouais. Bon voyage en tout cas, Patrick. Merci. Au pays des 9 points gagnants pour commencer dans un instant. Maxime, vous comprenez cette passion pour la deux chevaux? C'est vrai que c'est un véhicule particulier. Vous aimez la voiture ou pas? Oui, j'aime bien la voiture. Je suis plutôt vélo, mais. Plutôt vélo? La vélo-russion, comme on dit parfois ou pas? Vélo-russion. J'utilise mon vélo dans Paris. Et au quotidien, pour aller travailler, vélo. Oui. Ah, oui. C'est bien ça. C'est Maxime, du sport aussi. On parle d'aventure, ça aussi, elle est belle. Banquier d'abord, et puis un jour, hop, fini la banque. Fini. Et vous êtes allé au bout de votre rêve, un joli projet professionnel, dans la photographie. Exactement. C'est une entreprise que vous avez créée, hein? Oui, tout à fait. J'ai redécouvert mes albums photos de jeunesse. Vous savez, ces albums où... Vos parents mettent des petits commentaires, les albums papier. Je vois très bien, ouais. Et à côté de ça, en fait, j'avais perdu mes téléphones, là où je prends des photos habituellement. Avec toutes vos photos? Des voyages, de soirées, etc. Ça, je pense que ça a parlé à beaucoup de gens, parce que je pense qu'on est tous dans ce cas-là. On prend des photos avec le numérique, on prend des photos comme jamais on a pris des photos. Ouais. On a des magnifiques photos, des magnifiques instants de vie. Et la plupart du temps, ces instants de vie disparaissent parce qu'on les met pas de côté, quoi. C'est ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas recréer cette émotion de l'album photo. Et comment vous avez fait alors? Du coup, j'ai commencé par mettre des albums photo argentiques dans des soirées, des mariages, etc. Ouais. Et à développer moi-même ces appareils, donc pour des amis et des amis d'amis. Et ça prenait, les gens étaient contents d'avoir ces moments un peu magiques d'une soirée. Et j'en ai fait une société l'année dernière. Et maintenant, voilà, je m'occupe des souvenirs des gens. Et je crois que vous louez des appareils c'est ça. Argentiques. Argentiques, hein, pour vos événements, des beaux appareils, que ce soit des mariages, des fêtes. Et nous, on vous fait les albums photos et on fait aussi une version numérique. Oui. Parce que parfois, vous aimez partager aussi vos photos avec des gens qui sont loin. Pour le partage, le numérique, il n'y a pas que des points négatifs. Pour le partage, c'est génial. Exactement. Par exemple. On les scanne et vous pouvez les envoyer à votre grande-tante qui vit très loin. Elle aura aussi accès... au moment de votre soirée. C'est un joli projet d'entreprise. Bravo. Merci. Maxime. Merci. J'espère que je pourrai vous dire bravo aussi ce soir. J'espère. On démarre dans un instant. Bonne chance à tous les quatre. Au début, ça va vite. Hein. Soyez pas décontenancés. Au début, on est quatre. Donc les réponses fusent. On se fait shipper des bonnes réponses, ce qui est très frustrant. Hein, surtout quand depuis 3-4 questions, on l'a pas. Et puis on l'a et on se la fait piquer par le voisin. Donc il faut se dire qu'on a 3 places à prendre, qu'il y a un peu de place justement. Et qu'il faut rester concentré jusqu'au bout. On démarre dans un instant après ce petit coup d'œil à la cagnotte, qui est ce soir à 16 600 euros. Belle cagnotte. Ça aussi, c'est sympa, c'est 40 000 euros à gagner à la maison. Maintenant, avec cette question, une histoire de porte-bonheur. Lequel de ces objets peut être considéré comme un porte-bonheur? 1. Un fer à repasser. 2. Un fer à cheval. C'est Maxime, pas pour non. Nous. Non, c'est pour le téléspectateur, en fait. C'est trop facile, ça. C'est bon. Maxime, il a entendu 40 000 euros, il a entendu question, c'est qui lui va. Donc c'est pour vous à la maison, 32-43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7, 10, 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Maxime, il est là, concentré, et c'est tout ce qu'il faut. Première manche, c'est parti. Les questions, elles sont là. Les buzzers, on les allume pour Maxime, pour Amélie, pour Christine, pour Patrick, et on commence tranquillement avec une question à un point. Quelle qualité humaine, dont le nom est dérivé de cœur, et synonyme, Maxime? L'amitié. De bravoure. Synonyme de bravoure. Qualité, Christine? Courage. Le courage. Exactement. Un point. Il y avait une chanteuse qui chantait cette chanson qui était géniale. Du courage, courage. Qui chantait cette courage? La grande Sophie, c'est ça? Ça rapporte pas de points, Amélie, mais bonne réponse. Là, ça rapporte des points. 2. Quelle variété de pommes à chair ferme, à la peau jaune et rouge tire son nom d'une ville, Maxime? La Golden. Des Pays-Bas. Quelle est cette pomme qui pourrait tirer son nom d'une ville, Christine? Boskop. Boskop, exactement. C'est la ville, c'est la pomme. Bien. Ça s'écrit avec deux O, hein, mais ça se prononce exactement comme Christine vient de le faire. La pomme de Boskop. C'est la belle de Boskop, d'ailleurs, son nom consacré. 2 points de plus pour Christine, et donc une première question à 3 points ici.
jusqu'au début du XXe siècle. Quelle est cette petite rivière prenant sa source au hameau de Bouvier à Guyancourt qui traversait à l'air libre les 5e et 13e... Christine ? La Bièvre. A deviné où je voulais en venir, bravo. Trois questions, trois bonnes réponses et Christine engrange le maximum de points, bravo, 6. C'est la Bièvre, cette rivière qui traversait à l'air libre à une époque, les 5e et 13e arrondissements de Paris, c'était la suite de la question. Aujourd'hui, elle est recouverte, la Bièvre, donc on ne la voit plus. Et régulièrement, on entend parler de projets pour la remettre au jour un petit peu. Moi, ça fait 30 ans que j'entends parler de ce projet et la Bièvre, elle est toujours souterraine à ce jour, enfin, je crois. Dans la quatrième saison de la série The Crown, sortie en 2020, quelle première ministre britannique est incarnée par l'actrice américaine Amélie ? Margaret Thatcher. Tout simplement. Bonne réponse. Margaret Thatcher, bonne réponse. Quel est cet art martial japonais codifié pour donner naissance au judo ? Maxime ? Le karaté. Pas celui-ci. Oui, Patrick ? Jiu-jitsu. Excellent. Fondé notamment sur les projections, les clés, les étranglements. Jiu-jitsu, bonne réponse, Patrick 2. Donc encore une question à 3 points ici. Quelle spécialité sicilienne, servie froide, consiste en un plat d'aubergines frites à l'huile d'olive accompagnée de céleri, de tomates, d'oignons, spécialité sicilienne, Christine ? La caponata. Encore une bonne réponse. 9. Déjà, Christine ? Oui, merci. Vous vous rendez compte ? On vient de commencer, hein ? On a commencé il y a quelques minutes, Christine. Christine avait très très envie de jouer au 4 à la suite. Félicitations, Christine. Merci beaucoup. Bravo. Bon. Ça c'est fait. Deux places encore à prendre. Patrick, Amélie, Maxime, Caponata. En 1976, quel avion de transport long courrier supersonique, Maxime ? Le Concorde. Supersonique, Concorde. Mis en exploitation par la France et la Grande-Bretagne, le Concorde. Deux points pour Maxime. Puisqu'on attend, on joue pour deux points à chaque bonne réponse. C'est parti, Maxime. À l'instar des médecins qui prêtent le serment d'Hippocrate, quel professionnel de santé prête le serment de Galien ? Maxime a buzzé. Les pharmaciens ? Eh, la bonne réponse, bien sûr. Ça fait deux de plus. Ça y est, Maxime est parti. Ce sont les pharmaciens qui prêtent le serment de Galien, c'est l'équivalent du serment d'Hippocrate pour les médecins. Ah, oui. Écoutez ceci, je vous pose une question après. Écoutez. Dans le jardin de mon père, les lilas sont fleuris. Dans le jardin de mon père, les lilas sont fleuris. Tous les oiseaux du monde, ils viennent faire leur nid. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Qu'est-ce que c'est ? Alors écoutez bien parce que on part de là et on arrive ailleurs. C'est Aristide Bruand qui interprète ici « Auprès de ma blonde »,« Auprès de ma blonde », qui aurait été écrite par André Joubert du Collet, lieutenant de la Marine royale de Louis XIV. En 1967, dans le film « Croisière surprise », quel rocker interprète une version anglaise de « Auprès de ma blonde » 1967, film « Croisière surprise », un rocker. Donnez-moi un rocker de ces années-là. Patrick Abosé. Elvis Presley. Bonne réponse. Alors ça, c'est génial, ouais. Parce que parfois, il faut tenter sa chance. Hein, Patrick ne savait pas forcément que c'était Elvis qui avait chanté cette reprise dans ce film-là. Mais à un moment, on réfléchit, on se dit, bon, je vais donner un rocker des années 60. Hein, pourquoi pas le plus grand, hein, le roi du rock, comme on l'appelait à l'époque, Elvis Presley. Et là, petit bonus, on va écouter la version d'Elvis Presley. In Paris there is Mimi, and when the moon is bright, I love to take her walking along the Seine each night. I kiss her on the left bank, I kiss her on the right. Oh, I love only one girl, the one I've got my arms around. I love only one girl, one in every town. C'est ce qu'on appelle une curiosité quand même, hein. Auprès de ma blonde, version anglaise, version rock, version Elvis Presley, c'était curieux. Bravo Patrick, et bien tenté, bien joué. À Venise maintenant. Quel célèbre palais relié aux anciennes prisons par le pont des soupirs est également appelé palais ducal ? Quel célèbre palais relié aux anciennes prisons par le pont des soupirs, c'est par là, est également appelé palais ducal ? Palais à Venise. Palais à Venise, Maxime ? Palais des papes. Non, parce que tentez pour Patrick. Palais des doges. Palais. Mais très bien, Patrick. Deux points de plus. Amélie, vous ne savez pas faire. Hein. En 202 avant notre ère, histoire. Quel général romain nommé l'Africain ? Patrick ? Scipion. Scipion, Scipion l'Africain. Mit fin à la deuxième guerre punique grâce à sa victoire de Zama sur Hannibal. Patrick, vous êtes à 8 ?
Encore un point, vous êtes en deuxième manche, bravo. C'est du sport. Quelle commune de l'Essonne abrite le centre d'entraînement de l'équipe de France de rugby? Tout le monde a buzzé, mais Maxime Marcoussis a été le plus rapide et prend les deux points, exactement. Marcoussis. Là, il fallait jouer vite. On va dans l'hémisphère sud. Dans l'hémisphère sud, lors de quel mois le solstice d'été a-t-il lieu? Maxime encore. Décembre. Oui, belle série Maxime. Ça fait 8. Ils se débrouillent très bien mes nouveaux joueurs, là, Patrick et Maxime. Amélie, c'est pas joué, c'est pas joué. Décembre. En juin dans l'hémisphère nord, décembre dans l'hémisphère sud. Bien joué. Quelle glande de l'appareil génital masculin entourant les premiers centimètres de l'urètre est située sous la vessie, Maxime? Le gland. Non. Glande de l'appareil génital masculin entourant. C'est pas au même endroit. Amélie. La prostate. Eh oui, c'est plutôt par là. Bonne réponse. Bon, on était dans la zone, Maxime. Excusez-moi. Cette prostate qu'il faut un petit peu surveiller et passer 50 ans, je crois. Amélie, c'est pas joué, hein, deux points. On continue. Musique. Dans le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, quel palmipède a été évoqué par un solo de violoncelle? Maxime. Le canard. Non. Maxime. Amélie, pardon. Le cygne. Une bonne réponse, Amélie. Deux. Ça fait cinq. Patrick et Maxime sont toujours à 8, mais Amélie revient. Le cygne était le palmipède que nous cherchions. Et maintenant, quel est cet artiste américain, représentant souvent des personnages solitaires dans un univers urbain? Patrick. Ah, il me revient pas. Est l'auteur de la toile Night Hawks, hein, qui est très connue. Amélie. Hopper. Oh, la remontée d'Amélie, oui, 7. Bravo. Alors, une manche comme ça, serrée comme ça, c'est très rare. Vous avez vu, Christine, c'est beau. Hein, 7 pour Amélie, 8 pour Patrick, 8 pour Maxime. Le prochain qui me donne une bonne réponse se qualifie. Y compris Amélie qui est revenue à 7. Edward Hopper, on voyage. De quel état d'Asie, correspondant à l'ancien Pakistan oriental, la ville de... Patrick. Bangladesh. Bonne réponse, Patrick, vous êtes en deuxième manche, bravo. Et donc ça va se jouer entre vous deux. Bonne chance Maxime, bonne chance Amélie. La ville de Dhaka, j'allais dire la capitale, Bangladesh. Très bien. Donc, c'est une question à 3 points, mais vous n'avez pas besoin de tous ces 3 points. La voici. Ça va peut-être vous départager. Télévision, de 94 à 2009, quelle émission de débat Jean-Luc Delarue a-t-il animé en bataille de buzzer remportée par Maxime? Ça se discute. Ça se discute pas. C'est la bonne réponse, Maxime. Donc, vous êtes qualifié. Et Amélie, la veille, je l'ai vu. Cette remontée d'Amélie, là, jusqu'au bord de la qualification, avec cette bonne réponse que vous aviez, ça se discute. Vous l'aviez, ça se discute, France. Oui. Bon, Amélie, je vous perds, c'est dommage. Merci en tout cas, Amélie. Je vous en prie. À la prochaine. Et voici pour vous. Pour garder un temps d'avance sur la météo, un réveil météo, une station Météo France et une montre Lacrosse Technologies, leader français des données météo. Revivez les temps forts d'une période des plus marquantes de notre histoire à travers des images et des documents exceptionnels. Une relecture passionnante pour mieux comprendre cette guerre qui a façonné le monde moderne. Vous savez, puisque vous connaissez bien ce jeu, que maintenant c'est le 4 à la suite, mais d'abord j'ai cette petite question à 40 000 euros pour vous. Maxime, vous jouez pas. Hein. Lequel de ces objets peut être considéré comme un porte-bonheur? 1. Un fer à repasser. 2. Un fer à cheval. 32-43, le téléphone par SMS 1-2-7-10-20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Là, on y va au 4 à la suite. Avec Maxime, avec Patrick et avec notre double championne Christine. C'est parti. Bon, j'ai des belles choses pour vous. Mariage et marié en peinture. Tube de chanteur africain. Enquête des détectives de BD. Donc là, il faut aimer un peu la BD. Hein. Et toujours le thème mystère, bien sûr. Et Christine, première qualifiée, double championne, qui nous a trouvé en plus plein de bonnes réponses tout à l'heure quand on cherchait. Eh ben, elle a le choix entre tout ça. Oui. Ben, j'hésite. Entre quoi et quoi, Christine? Ben, entre le mystère, finalement, et mariage et marié en peinture. Mais j'avoue que... On va rappeler que Christine avait pris un thème mystère, que ça lui avait très bien réussi, elle avait fait un 4 à la suite. Ouais, mais j'ai un peu peur quand même mais du thème mystère. Ça reste un thème mystère, vous avez raison. Voilà. Et on ne sait pas ce qui se cache derrière, hein, donc voilà. Moi, je sais. Oui, oui. Écoutez, je vais prendre mariage et marié, même si je n'ai pas trop de... On part sur ça? Ouais. Allez, Christine. –
Et oui, c'est le problème, hein. C'est ce... D'ailleurs, je crois que Christine, vous me disiez dans une émission précédente que vous étiez venu jouer en vous disant « je ne prendrai jamais le thémiste ». Oui. Et vous avez fini par le prendre, ça vous a magnifiquement réussi, 4 bah, oui, 4 mais... Mais malgré tout, vous avez toujours cette oui, petite... Oui, on a quand même un peu une angoisse. Voilà, il y a peut-être du sport derrière ou des choses comme ça. Peut-être que Patrick, peut-être que Maxime vont choisir ce thème mystère et ça levera ce levrage mystère voilà. Pour Christine. Mais là, j'avoue que, bon, on verra. Et puis, de toute façon, vous aviez un petit peu envie de ce thème aussi, un mariage. Et... Oui, mais je ne sais pas trop, là. On verra. Eh bien, on va savoir tout de suite. Ouais, ouais. Christine, bonne chance. 3e émission de suite. Oui. Nouveau 4 à la suite. Prête ? Oui. Top. En 1905, à quel peintre espagnol doit-on la toile Les Noces de Pierrette réalisée pendant sa période bleue ? Picasso. 1568, quel peintre flamand représente des paysans attablés dans sa toile Repas de Noces ? Peintre flamand. Bruegel. Sous quel nom connaît-on le peintre Paolo Cagliari, figure de l'époque vénitienne du Cinquecento et auteur des Noces de Cana en 1563 ? Véronèse. À quel peintre belge, né en 1897, dont un musée lui est consacré à Saint-Idesbald, doit-on la toile La Robe de Mariée ? Delvaux. Bah, je suis surprise. Christine est intouchable ce soir. Ah, je suis vraiment surprise là. Alors là, bravo. Hein. Notamment sur Paul Delvaux, la dernière. À quel peintre belge ? Qu'est-ce qui vous donne Paul Delvaux ? Bah, en fait, j'ai pensé à Magritte, mais je me suis dit c'est pas lui. Et bon, bah, Delvaux est belge. Oui, parce que c'est 1897, un peu la même époque. Magritte voilà. a dû naître plus tard, je ouais, pense. Hein. Ouais. Dont un musée lui est consacré à Saint-Idesbald. Doit-on la toile, la robe de mariée, Paul Delvaux ? Moi, je dis bravo. Véronèse, vous l'aviez. Hein, les Noces de Cana, ouais, l'école vénitienne du Cinquecento. Bruegel, l'ancien ou le vieux ? Bonne réponse, Bruegel. Et Picasso, bon, quand on parle de période bleue, oui, voilà. C'était la première question. Christine, un grand merci et puis un grand bravo. Merci beaucoup. Merci, Christine. Patrick et Maxime se disent, c'est bien, mais... Un 4 à la suite ne garantit pas forcément la qualification. Parce que Patrick et Maxime, et je l'ai vu moi, peuvent faire 4 aussi. Donc ça n'est pas joué. Patrick, pour vous, tube de chanteurs africains, enquête et détective de BD, thème mystère. Je prends le thème mystère. Super. Comme ça, Christine va savoir, elle aussi. Imaginez un thème sur l'histoire de la deux chevaux. Ce serait fou, ça. Avant, on parlait de, voilà. De deux chevaux. Non, c'est pas ça. Non. Mais c'est un joli thème. En tout cas, la thématique est belle. C'est gentil, c'est gentil. Variation autour de la gentillesse, manifestement. D'accord. En tout cas, c'est une jolie thématique. Oui. Hein, Patrick ? On est dans un monde, quand même, où parfois, moi, j'ai l'impression que... On ferait bien d'en rajouter un petit peu plus. Oui, ça ne fera pas de mal. Ouais. Hein, on est d'accord. Ah, Patrick, on est d'accord. Patrick, allez, soyons ambitieux. Visons le 4 comme Christine. Hein, visons le meilleur score possible. C'est gentil. Bonne chance, Patrick. Attention, on y va. Top. À partir de 1974, quel personnage de monstre gentil recouvert d'une peau en mousse orangée co-anime l'émission L'île aux enfants ? Orangé. Je retrouve plus. Quel général anglais, ayant fondé le scoutisme en 1907, a instauré au sein de son organisation, en 1996, dans le premier tome de son journal hédoniste, intitulé Le désir d'être un volcan, quel philosophe consacre un chapitre à la gentillesse, philosophe, 1996. Dans le recueil intitulé Conte de la rue Broca, quel écrivain raconte l'histoire d'un jeune diable qui a le malheur de ne pas être méchant. Les contes de la rue Broca. Non, je pense. Quel terme opposé au mot égoïsme désigne la disposition de l'être humain à la bienveillance. Je voulais enchaîner pour aller chercher le deuxième point. Ouais. Est-ce qu'il y avait un deuxième point ? En 2014, lors d'un match perturbé par la pluie à Roland-Garros, quel joueur serbe a offert à un ramasseur de balles de partager son parapluie ? Djokovic. Ah oui, serbe. J'ai essayé de cavaler pour aller chercher ce deuxième point. Mais Casimir, Le Casimir est revenu, voilà. Le monstre orangé, voilà. Et sympa le Djoko quand même. Hein. Ouais. 2014, Roland-Garros, match perturbé par la pluie et propose à un ramasseur de balles de partager son parapluie. C'est chic. Quel était ce philosophe qui, en 1996, dans le premier tome de son journal hédoniste, intitulé Le désir d'être un volcan, consacre un chapitre à la gentillesse ? Maxime, vous l'avez ou pas ? Christine, vous l'avez ? Non, mais Onfray. Ouais, Michel, Onfray, exactement. Et alors ça, ce sont des contes, si vous ne connaissez pas, magnifiques pour les enfants, mais que les adultes peuvent lire avec plaisir aussi. Les contes de la rue Broca. Oui. Rue Broca, c'est une rue du 13e arrondissement de Paris, pas très loin de la Bièvre d'ailleurs.
C'est ce quartier-là dont on parlait tout à l'heure. Le nom de l'écrivain qui raconte l'histoire d'un jeune diable qui a le malheur de ne pas être méchant, c'est Pierre Gripari. Ah, je l'entends. Oui, Gripari. Ouais, Gripari. Oui. Patrick, ça n'est pas terminé, ça va dépendre maintenant du score de Maxime. Merci. Bon, en revanche, Christine, c'est bon cette fois. Tout à l'heure, j'ai dit, avec 4, on n'est pas forcément qualifié, mais oui, c'est vrai. Là, on l'est. On l'est. Maxime, tube de chanteurs africains, enquête et détective de BD. Bien, Samuel, on va voyager en Afrique. C'est parti. Tube. Voyageons tous les deux. D'ailleurs, je n'ai pas demandé à Christine qui hésitait avec le thème mystère ce qu'elle avait pensé de ce thème, c'est gentil. Oui, bah finalement, j'aurais bien aimé aussi. Aussi. J'ai pas de regrets, bon, hein, puisque... Maxime, tube de chanteurs africains. La musique, c'est, Maxime, au quotidien, c'est quelque chose d'important ou pas? Oui, au quotidien, ouais, j'écoute du jazz, la musique classique. J'ai joué un peu de batterie quand j'étais jeune. C'est vrai? Beaucoup de rock, j'aime bien rock. D'accord. Et batterie dans un groupe de rock? Non, juste sur des casseroles. Vous n'avez pas de batterie à la maison? Si, ah, mon grand frère aussi. Ouais. J'ai une famille de batteurs. Une famille qui aime le rock. Ah, ouais. Génial. Ouais. Vous n'avez pas formé un groupe en famille? Non. Ça va être sympa, ça. Bon, là, on est avec la musique, mais spécifiquement avec les tubes de chanteurs africains. Une bonne réponse et vous êtes dans la course. Okay. Si vous faites 2, 3, 4, alors là, pour votre première participation, ce sera un face-à-face. Super. Voici les questions. Prêt? Prêt. Bonne chance. Tube de chanteurs africains. En 96, dans quel tube composé par Jean-Jacques Goldman, le chanteur de Raï, Raled, met-il à l'honneur un prénom féminin oriental? Aïcha. Quelle chanteuse sud-africaine disparue en 2008 s'est fait connaître dans le monde entier avec le tube Pata Pata, à l'origine interprété en Zoulou? Je passe. Au début des années 80, en interprétant Brigadier Sabari, quel chanteur ivoirien donne naissance au reggae africain? Brigadier Sabari. En 84, dans quel titre constituant son premier succès, le chanteur congolais Zao se met-il dans la peau d'un tirailleur sénégalais? Je passe. En 2004, quel couple de musiciens et chanteurs maliens Amadou et Mariam connaît? En 72, quel saxophoniste et chanteur camerounais contribue au développement de la world music avec le tube Soul Makossa? Saxophoniste. Le roi du saxo, quoi. Oui. Il était avec un sourire immense sur les plateaux de télévision, on aimait l'inviter. C'était Manu Dibango. Dibango. Vous vous souvenez de ce... Oui. Et donc... Vous connaissez Maxime, ça en plus? Vous connaissez, bien sûr. Excellent. Alors c'est bien parce que Maxime est toujours dans la course. Mais Patrick est toujours dans la course aussi. Patrick était un petit peu inquiet tout à l'heure. Ce qui nous a manqué, c'est notamment... Qui a chanté Brigadier Sabari? Brigadier Sabari, c'est un reggae. Alpha Blondie. Alpha Blondie, la chanteuse sud-africaine que nous cherchions, qui a notamment chanté Pata Pata. Oui. Myriam Makeba. Myriam Makeba. Et une petite dernière, en 84, dans quel titre constituant son premier succès, le chanteur congolais Zao se met-il dans la peau d'un tirailleur sénégalais? Ben, le titre a un rapport avec cette histoire. Ancien combattant. Ancien combattant. Maxime, jeu décisif. Allez-y. Comme ça, Patrick et Maxime, vous allez connaître toutes les phases de ce jeu, puisque vous allez découvrir le jeu décisif, les scores retombent à zéro. Et maintenant, il s'agit d'être le premier à atteindre les 2 points. On vous montre des images, je vous pose des questions. Attention, première image. Constellation circumpolaire, riche de nombreuses galaxies, je suis reconnaissable à mes 7 étoiles les plus brillantes, formant un chariot ou une grande casserole. Patrick, le grand ours. C'est la grande ours, c'est la bonne réponse. J'acceptais grand chariot aussi. Nouvelle image. Que suis-je? Prénom féminin, peu donné jusqu'aux années 80. Je suis utilisé seul par l'interprète de la chanson Mon cœur, mon amour, que vous voyez ici. Illustré par l'écrivaine nommée. Patrick? Anaïs. Ah, bien joué. C'est la chanteuse. C'est la chanteuse. J'allais parler d'Anaïs Nin, l'écrivaine. J'allais parler de l'actrice de Moustier, Anaïs de Moustier, mais vous avez la chanteuse. Vous connaissez la chanteuse Anaïs.
Eh bien, Patrick, c'est pour vous. Bravo, Patrick. On se retrouve face à face dans un instant. Merci, Maxime. Merci à vous. Ça a été un plaisir. Je vous souhaite plein de belles aventures professionnelles avec cette jolie entreprise autour de la photo argentique que vous avez créée, autour du plaisir de la photo un petit peu à l'ancienne. Et voici un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Voici tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les chats, sa santé, sa psychologie et sa manière de communiquer. Et profitez d'un casting de chats hilarants dans un beau livre plein de tendresse. Face à face, oui. Juste après cette question, pour 40 000 euros, lequel de ces objets peut être considéré comme porte-bonheur? Qu'est-ce qu'un porte-bonheur? Un fer à passer? Ou deux, un fer à cheval? 32 43, le téléphone par SMS, 1 ou 2, ou 7, 10, 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses, comme d'habitude, bien sûr. Christine joue pour une troisième victoire. Patrick va-t-il être champion pour sa première participation? Réponse dans un instant sur France 3. A tout de suite. On y est, le face-à-face, ce soir entre Christine et Patrick. Bonne chance. Oui, bonne chance. Merci. Belle première participation de Patrick. Hein. Patrick, oui. Le face-à-face dès le premier coup, c'est pas mal. Et puis on s'arrête peut-être pas là. Ça se joue en 12 points. Hein, Patrick, c'est le premier à 12. C'est vrai que Christine est très impressionnante et particulièrement ce soir, Christine, je trouve. Bonne chance en tout cas à tous les deux. 12 Merci. Points, je l'ai dit, la cagnotte. Christine, on est à 3 longueurs, 3 marches de cette cagnotte de 16 600 euros. Une belle cagnotte. On garde les cadeaux et on y va. D'abord pour le second ou la seconde, il y aura ceci. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Peinture, sculpture, photo, art vidéo. Avec les 100 œuvres d'art qu'il faut avoir vues et ce lot d'ouvrages, Larousse vous offre un panorama très complet sur la création artistique des 150 dernières années. Toujours cadeau, mais pour le vainqueur maintenant. Partez un week-end à l'abbaye royale de Fontevraud. Découvrez la table étoilée de Thibaut Ruggieri et son hôtel design au cœur de ce haut lieu du patrimoine. Christine, vous avez la main? Oui. Après le joli 4 à la suite de tout à l'heure, c'est une question de culture générale. Je vais prendre. Indice à la maison, vous avez le droit à cet indice que n'ont pas Christine et Patrick. Top institution ayant inspiré à Noé Debré une série diffusée sur France.tv en 2020 qui traite avec humour de mon fonctionnement. Je suis présidé depuis 2019 par David Sassoli. Doté de pouvoirs législatifs, budgétaires et de surveillance, je compte 705 membres représentant 27... Le Parlement européen. 705 membres, 27 pays et Parlement européen. À quel moment vous pensez au Parlement? C'est David Sassoli et j'ai réagi un peu tard. La présidence? Oui. Bravo. Institution de l'Union européenne élue au suffrage universel direct, je siège à Strasbourg et mes commissions parlementaires se réunissent à Bruxelles. Hein. Christine, 2 points. Bravo. Patrick, vous avez la main pour la première fois. C'est du cinéma. Je laisse la main. Attention parce que Christine, elle adore le cinéma. La main pour Christine. Quel est ce top film de science-fiction, à nouveau sur les écrans en 2020, 30 ans après ma sortie, je suis tiré de la nouvelle Souvenir à vendre de Philippe K. Dick, dont mon acteur principal a acquis les droits. Imaginons une entreprise qui propose d'implanter des faux souvenirs à leurs clients, je vois un homme se rendre ainsi sur Mars où naît en lui le souvenir bien réel d'une mission. Film de Paul Verhoeven, avec Arnold Schwarzenegger et Sharon Stone. J'ai adoré ce film. Total Recall. Ok. Total Recall. Ouais. Question histoire à présent. Christine. Je prends la main. La main est gardée. Top. Site archéologique dont les fouilles furent dirigées à partir de 1900 par le Britannique Arthur Evans. J'étais occupé par les Mycéniens au 15e siècle avant Jésus-Christ. Décoré. Knossos. Le palais de Knossos. Oui, Knossos. En Crète. Avec un C ou avec un K d'ailleurs. Les deux orthographes sont possibles. C'est bien. Knossos. Alors, pas le palais, mais la cité. C'est plutôt une cité, mais vous avez répondu de toute façon que Knossos, qui était la réponse attendue. Décoré de plusieurs fresques, dont notamment, disait la suite de cette question, celle des dauphins situés dans les appartements royaux. Je suis un vaste complexe palatial qui aurait été construit par le légendaire Dédale, principale cité de la Crète antique associée au roi Minos. Je suis Knossos. 4 points. De plus, littérature. C'est Patrick qui retrouve la main. Je laisse la main.
littérature. Top. Citation, extraite d'un recueil publié en 1820, j'ai été pastiché par Jean Giraudoux dont la guerre de Troie n'aura pas lieu. Tiré du poème L'isolement, dans lequel je suis précédé par le vers fleuve, rocher, forêt, solitude aussi chère, je fais allusion au désespoir provoqué chez mon auteur par la disparition de celle qu'il aime. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'est difficile parce qu'il ne faut pas rater un seul mot, mais tout y est. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Vers de Lamartine, exprimant l'impossibilité de combler l'absence de l'être aimé, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Et ça fait 8, Christine. Quelle stratégie sur une question? Indice chez vous, homme célèbre. Je vais garder la main. Vous gardez? Oui. Homme célèbre. Top humoriste et homme de presse français, né le 21 septembre 1929, j'ai notamment lancé en 91 le mensuel pour enfants Gros Dada, apparaissant dès les années 60 à la télévision dans Les Raisins Verts de Jean-Christophe... Cavana? Non, pas Cavana. Top Les Raisins Verts de Jean-Christophe Averty, puis Merci Bernard de Jean-Michel Ribes, je me suis mis en scène dans mes fameuses fiches bricolage. Créateur avec Cavana du journal satirique Harakiri. Professeur Choron? Exactement. Bien joué. Bravo. Le dernier indice disait père de l'humoriste Michel Bernier. C'est le papa de Michel Bernier, le professeur Choron. Georges Bernier dit, Patrick très bien, le professeur Choron. Patrick, c'est parti, sport. Je vais prendre la main. Main gardée. Et on cherche 7. Top compétition, créée en 1978 à la suite d'un défi lancé par John Collins. Mon premier vainqueur est l'américain Gordon Haller. Nous déroulons à Hawaï, couru par les... Ironman. Oui, Hawaï, c'est l'Ironman. Bravo. Le championnat du monde d'Ironman, aujourd'hui, c'est à Hawaï. Ah ouais. Et c'est aussi là qu'est née cette discipline. Alors, on dit qu'à l'époque, ce sont des militaires américains qui ont inventé l'Ironman. Sur le mode, il y avait des spécialistes de course à pied, des spécialistes de vélo, des spécialistes de natation. Et la discussion entre eux, c'était, mais finalement, c'est qui les plus forts? Et bien, il y en a un qui a dit, on va faire une épreuve avec les trois sports. Ça a donné le triathlon et l'Ironman. L'Ironman, c'est la version XXL du triathlon. On va rappeler 3,8 km de natation, 180 km à vélo. Et pour terminer, un petit marathon, 42 km de course à pied. Triathlon de l'extrême, dont le nom anglais signifie « homme de fer ». Patrick, 4 points là. Vous relancez bien avec l'Ironman. Question suivante, musique. Christine retrouve la main. Je vais la garder. Top pianiste français, né à Orange en 1962, je me tourne très tôt vers le jazz sous l'influence d'un père guitariste, improvisateur. Petrucciani. Michel Petrucciani. Et la bonne réponse. Christine garde la main, elle prend la main, elle vise les 4 points, Petrucciani 4 points, sans faute. Christine, Patrick, ce soir on a le sentiment que Christine, elle a été intouchable. Oui. Hein. Christine, vous avez été très forte sur les parties précédentes, mais ce soir c'était encore un cran au-dessus. Bravo Patrick pour cette première, belle participation. Christine, ça fait 3. Oui. Et ça fait 2000 euros, et ça fait plus que 2 marches. Suspense, avant la cagnotte de 16 600 euros. Est-ce que Christine va tenter une quatrième victoire demain vendredi pour finir la semaine en beauté? Réponse dans 5 secondes. Qu'est-ce que vous en pensez, Christine? Ben, je vais rester. Bravo, Christine. À demain pour la suite des aventures de Christine. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Bonne soirée et à demain, 17h45.